Salut tout le monde, c'est Ludo17D pour une nouvelle vidéo sur Minecraft PS3. Et alors je vais vous montrer un passage secret que ici on ne voit pas, mais ça va être très facile. Donc je vais replacer des trucs pour que vous voyez bien, parce que moi je sais il est où mon passage. Donc, vous arrivez, vous voyez ici rien du tout. Eh bien, le but c'était de cacher ce levier. Quand vous voyez qu'il n'y a personne, mais ou alors qu'ils sont vraiment giga très loin, vous appuyez sur le levier, ça s'ouvre, puis vous descendez, et voilà, vous avez votre petite salle des coffres passage secret. Alors, je vais vous montrer comment on fait ça. Donc, quand on appuie sur le levier, ça s'éteint. Et pourquoi je n'ai pas mis de levier en bas? Parce que après, ça n'allait pas aller. Donc, voilà. Alors, on va essayer sur ce flanc ici. Obligé sur le flanc d'une montagne. Donc, on va reprendre une épouse d'arbre. Une pousse d'arbre qui va... vraiment avec votre qui va bien avec la nature qui a été générée. Et si vous voulez juste le faire sur un monte plat, une montagne une montagne comme ça quoi, juste une montagne, voilà, et ben ce sera facile. Donc on va commencer déjà à un peu terraformer. Non. Enfin, juste ici. Ici, ici et ici. Voilà. Car ici, on va le détruire. Ici, on enlève un bloc et encore un. Donc, on a enlevé deux blocs. Puis, on met un piston collant là-bas. Donc, on retire ce bloc. On met un piston collant. On remet le tronc ici et on met le tronc là. Comme ça, quand il va pousser, ah ben le tronc va venir ici. Donc ici, ce sera déjà notre trou. On va creuser une fois ici, car on va faire ceci. Voilà. Et quand ce piston ici va pousser ce bloc ici et l'autre ici. Donc ça va être totalement visible. Donc on doit placer un bloc là. Et quand vous descendez, hop, voilà, vous descendez ici. Donc je vais éclairer pour que vous voyez bien. Voilà, 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 oups, voilà. Bon, moi, ça me démange de ne pas faire ça. Juste ça. Voilà. Donc, quand vous avez fait ça, vous mettez vos échelles. Donc, vous allez prendre des échelles. Ça peut aussi marcher, hein, tous les passages secrets de toutes mes vidéos. Ça peut aussi marcher sur ordi. Hein. Donc, vous mettez vos escaliers. Comme ça. Et comme ça. Car, ces escaliers-là ne vont pas se détruire. Car, celui-là, il va pousser là. Et lui, il va juste pousser au-dessus. Donc ça va aller quoi. Bon, quand on a fait ça, on va trouver notre piston. Donc on va creuser ici, comme on sait que notre piston il est là. Après on va terraformer, ça c'est sûr. Donc vous voyez, on va terraformer ici. On va terraformer, faire ça. Voilà, comme ça. Donc vous allez voir après comment on va terraformer. Et il faut que ça... a l'air naturel. Donc on va creuser, on va creuser. Est-ce que l'autre piston est plus haut? Oui. Donc on creuse. On se met là. Voilà. Et voilà, il est là. Le beau piston collant. Donc, quand on a eu les deux, on va chercher un endroit pour cacher le levier. Donc, le meilleur à faire, c'est de le remplir
comme ça. Puis, de mettre le levier, prendre des lampes de redstone, de la redstone et des répéteurs de redstone. Pas obligé, mais moi je dis, pour moi, ce serait bien si jamais vous voulez le faire avec des boutons. Donc, notre levier, il est là. Donc, on va juste creuser ici et ici. Ici, 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 ici. Et ça va. Donc, on va mettre une torche de redstone, de la redstone qui va passer ici, ici. Qu'on va mettre un répéteur de redstone. Au tic que vous voulez, ça change rien sauf si vous voulez le faire ralentir. Donc on va là, on met la redstone, on le fait passer là. Donc c'est normal que ça ne l'allume pas. Quand on a fait ça, on le fait descendre ici, on le fait ici, ici. Et voilà, donc là il est allumé. Donc, pour l'instant, ça va. Puis, pour passer au deuxième piston, il faut séparer, casser ces deux-là, mettre comme ceci, hop, faire un petit endroit sympa, toujours mettre une torche pour éviter que les mobs spawnent. Donc, hop, hop, hop. Si je le mets ici, ça ne va pas marcher. Donc on met un bloc et on met la redstone et voilà. Donc quand tout ça est fait, on va tout terraformer. Donc hop, hop, hop. Il faut que ça ait l'air naturel. Donc voilà quoi. Il ne faut pas que ça se voie ni un petit truc de lumière. Donc vous venez ici. On bouge ici et voilà. Et quand vous avez fait ça, hop, faut que ça ait l'air plus ou moins naturel. Et voilà. Et quand vous appuyez sur le levier, hop, putain, il tonne. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais je vais prendre une torche et je vais éclairer un petit coup, comme ça vous voyez mieux. Donc quand on appuie sur le levier, hop, je vais torcher la jaune. La zone, voilà, ça s'ouvre. Donc là, vous pouvez entrer dans votre petite base. Donc, voilà. Et quand vous rappuyez sur le levier, tout se referme. Et voilà. Et c'est la fin de cette vidéo qui présente un petit passage secret. Donc, j'ai fait vite un petit récapitulatif. On appuie sur le levier. Ok, on descend, on descend, on met toutes nos affaires dans les coffres, même si j'en ai pas mis, les coffres, et puis on rappuie sur le levier en espérant qu'il n'y ait personne. S'il n'y a personne, c'est mieux de le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vraiment, 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 vraiment. Parce que moi, je sais pas vous, mais moi, j'aime bien mes vidéos puisque, voilà, c'est les miennes. Bon, allez, à des autres épisodes, à des autres, à des autres, ben oui, à des autres épisodes, quoi. Allez, adios, et c'est Ludo Gaming, hein. N'oubliez pas, parfois je m'appelle Ludo17D, mais c'est pas grave, c'est les mêmes.